Bien des vestiges de l'histoire de l'homme jaillissent du sable et de la terre. Plusieurs récits longtemps considérés comme des légendes sont devenus partie prenante de notre histoire grâce à des découvertes archéologiques. À l'occasion, certains faits ont été déformés, mais en général, nous ne doutons pas de la bonne foi des archéologues et nous préférons nous délecter du récit de l'Odyssée de la race humaine. C'est l'ambition qui a poussé Ron Wyatt sur les traces d'un récit biblique connu de tous. 22 ans plus tard, il n'a toujours pas réussi à convaincre tout le monde. Le mystère de cette forme de bateau accroché au flanc d'une montagne de Turquie a rendu Ron Wyatt célèbre, mais en archéologie, la célébrité a un prix. Il y a un endroit très mou juste ici en dessous. Le 16 juin 1987, Ron Wyatt et une équipe de tournage américaine se rendent à l'est de la Turquie à l'invitation du gouverneur de la province d'Agri. Ils participent à une cérémonie au pied de ce qu'on appelle la montagne du jugement dernier. Cette cérémonie officielle souligne la désignation de cette région comme site historique et couronne 27 ans de recherches méticuleuses et parfois dangereuses. Le 20 juin 1987, le gouverneur de Agri proclame au monde entier que les autorités archéologiques turques corroborent les résultats des recherches de l'expédition Ron Wyatt et déclarent que le site en question est l'endroit où s'est échoué l'Arche de Noé. La contribution de Ron Wyatt à cette découverte lui vaut bien des honneurs au cours de cette cérémonie. Le traditionnel sacrifice de l'agneau consacre ce lieu saint. Le gouverneur jette la première pelletée de terre de cette installation qui deviendra un centre multiculturel et multiconfessionnel. Les visiteurs pourront y admirer les vestiges de ce que les experts ont désigné comme l'Arche de Noé. Cet enthousiasme pour les découvertes de Ron Wyatt n'est pas partagé par tous. Le Biblical Archaeological Digest croit que c'est un arnaqueur. Au fil des ans, plusieurs personnes ont tenté de porter atteinte à ses recherches. Au-delà de cette polémique, la grande énigme dans l'aventure de Ron Wyatt est la raison qui l'a poussé à partir à l'autre bout du monde à la recherche d'une chose disparue depuis des milliers d'années. Des chercheurs ont découvert que lors d'une mission de reconnaissance de routine au-dessus du mont Ararat, le lieutenant A. Kurtz des forces aériennes turques a photographié une curieuse structure dont la forme rappelle un bateau. La date exacte de cette photographie des services secrets n'a jamais été révélée, mais on sait qu'elle a été prise avant 1960. Des experts en photographie de la Turquie ont analysé les photos et ont estimé que les dimensions de cette structure sont pratiquement les mêmes que celles du vaisseau du déluge décrit dans l'Ancien Testament. En 1960, on entend parler de ces photos aux États-Unis. Elles sont étudiées par les scientifiques et les explorateurs d'un groupe de recherche en archéologie. Sous l'égide des militaires turcs, une expédition turco-américaine est mise sur pied. Wilbur Bishop a participé à l'expédition de 1960. L'expédition pour Dogu Bayazit est partie d'Ankara. Nous avons pris un avion turc jusqu'à Erzurum et nous nous sommes mis en route pour Dogu Bayazit. Les Turcs savaient quel était l'objet de nos recherches. Nous sommes allés en camion jusqu'à un camp près de la frontière de la Perse. Et nous avons continué à cheval jusqu'au site. La région est un repère de terroristes et un foyer de conflits perpétuels avec l'Irak, l'Iran et la République soviétique de Géorgie. Des soldats turcs escortent les membres de l'expédition tout au long du périple. Nous avons laissé les chevaux à environ 150 mètres du site, qui est sur le flanc de la montagne. Déjà, nous pouvions voir la structure.
Pour nous rendre au site, nous avons dû sauter par-dessus plusieurs crevasses parce qu'il venait d'y avoir un tremblement de terre. Nous étions tous convaincus que c'était un bateau. Le docteur Arthur Brandenberger, un expert en photogrammétrie, fait aussi partie de l'expédition. Après avoir étudié la structure et l'avoir comparée avec les mesures des photos aériennes, il fait la déclaration suivante. « Je suis certain que c'est un bateau. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un objet comme cela sur une photo stéréoscopique. » Les autres membres de l'expédition ne partagent pas cette certitude. Face au manque de preuves concrètes, ils ont recours à des moyens extrêmes. J'ai demandé au colonel Michael s'il avait de la dynamite. Il m'a répondu que ce qu'il avait, c'était une grande quantité de poudre noire. Je lui ai dit d'aller la chercher. Après l'explosion, l'équipe est au même point et n'a rien de tangible pour convaincre le reste du monde que la structure mystérieuse est la légendaire Arche de Noé. Nous avons rebroussé chemin. Nous n'avions trouvé aucune poutre ou membrure, alors nous nous sommes dit que ce n'était pas ça. Les membres de l'expédition turco-américaine étaient conscients de l'énorme potentiel de cette découverte, qui aurait pu se révéler aussi palpitante que celle des pyramides. Les membres de l'équipe ont renoncé parce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Le manque de rigueur scientifique a porté atteinte à cette première expédition, mais les futurs chercheurs vont apprendre de ces erreurs. L'un des plus dévoués est sans conteste Ron Wyatt, qui commence d'abord son enquête en écumant des rapports militaires confidentiels et des textes ésotériques, à la recherche de la moindre allusion à la fameuse arche. Il fait des découvertes étonnantes. Le 5 septembre 1960, un reportage du Life magazine fait état des résultats de l'expédition. Ensuite, l'intérêt du public pour cette affaire diminue, mais pas celui de Ron Wyatt. Celui-ci est alors infirmier anesthésiste au Memorial Hospital de Nashville, au Tennessee. Le mystère entourant cette structure commence à l'obséder. Comme il lui est impossible de s'éloigner de sa famille et de son travail, il part en expédition intellectuelle et étudie l'Arche et sa place dans l'histoire. Il parfait ses connaissances en géologie, en archéologie et en chimie dans le but ultime d'aller explorer le site de la mystérieuse structure en forme de bateau. À ce moment-là, nous nous sommes penchés sur l'histoire de l'Arche et du lieu probable où elle s'est échouée. Nous avons étudié tous les récits qui parlent de gens qui auraient vu l'Arche de Noé sur la montagne ou dans la région. À travers le folklore et les références historiques de plusieurs cultures, il existe plus de 200 versions de l'histoire d'un déluge aux proportions planétaires. Plusieurs récits apportent des preuves qui soutiennent la théorie d'une inondation de la planète. Au cours de ses recherches, Ron Wyatt découvre 30 récits qui placent la fameuse Arche de Noé sur le mont Ararat ou tout près. Cependant, ces récits ne semblent pas basés sur des faits et plusieurs se contredisent. Je ne doute pas de la sincérité de ces 30 témoins oculaires présumés, car il y a plusieurs formations de pierres qui ressemblent à des bateaux. Mais aucun de ces témoins n'a pu produire de photographies. Par exemple, on retrouve dans les carnets de vol de certains pilotes qui ont survolé la montagne durant la Seconde Guerre mondiale la description d'un objet en forme de bateau. Ils ont écrit que la forme en question était sur le versant sud-est de la montagne. La personne qui a rapporté ces faits dans son livre a écrit que c'était sur la face nord-ouest. Je me suis rendu compte que des informations dites sérieuses avaient en fait été trafiquées pour essayer de convaincre les gens que l'épave était à un endroit plutôt qu'à un autre. Le mont Ararat est un pic couvert de glace qui cache un volcan qui a connu plusieurs périodes d'activité au cours des derniers millénaires. Aucune structure de bois n'aurait pu survivre sur cette montagne râpée par la lave et la glace. Cependant, aucun des récits documentés ne place l'Arche précisément sur le mont Ararat. Même dans la Bible, au verset 4 du chapitre 8 de la Genèse, on dit « L'Arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat ». Le mot « montagne » est au pluriel.
les recherches de Ron Wyatt l'ont convaincu de la nécessité d'aller visiter à son tour le site exploré par l'expédition turco-américaine de 1960. En 1977, après 17 ans de recherche, Ron Wyatt peut enfin commencer des fouilles sur le terrain en Turquie. Il embauche D. Lavar, un guide de la région qui va lui être très utile dans cette aventure. Lors de cette première incursion, ce pays intimidant se révèle d'une immensité provocatrice et les recherches semblent ne pas avoir de fin. Cette région hors du temps a été dévastée par les guerres, mais elle regorge de vestiges du passé. La quête de Wyatt est semée d'embûches. Un des membres de l'expédition, le physicien chef du laboratoire national de Los Alamos, a essayé de lui voler sa découverte en fouillant son bureau dans l'espoir de trouver un dossier qui prouverait l'existence de l'Arche. Des compétiteurs malveillants se sont précipités pour annoncer qu'ils avaient découvert l'Arche dans d'autres régions simplement pour empêcher que l'expédition de Wyatt puisse faire valoir ses droits. Quand la fortune et le succès sont à portée de main, tous les coups sont permis. Pour percer les mystères du passé, Ron Wyatt continue son enquête dans les villages autour du mont Ararat. À l'aide des récits traditionnels séculaires, il espère pouvoir transformer les fables en faits et les légendes en vérité. Son intuition le sert bien. Les villageois ont confiance en lui et le guide au site des fouilles de l'expédition de 1960 où l'attend la structure qui le fascine depuis tant d'années. J'étais enfin devant les vestiges du grand bateau dans lequel Noé et sa famille ont pu se réfugier. Quand je suis arrivé devant, j'ai été très surpris, car la structure ressemblait vraiment à un bateau percé, en train de couler, et dont on ne verrait que la rambarde au-dessus de l'eau. C'est ce que j'ai vu échouer sur le flanc de la montagne. Le site est à 25 km environ du mont Ararat, sur le sommet de la montagne du Jugement dernier, à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. La structure a une longueur d'environ 157 mètres, ce qui correspond aux mesures tirées des photos aériennes et aussi à celles prises par l'expédition turco-américaine. La structure en question a la forme d'une moitié d'ovale avec une petite butte au centre. Un rebord de terre de 6 mètres en dessine les contours. Elle repose sur des roches sédimentaires crétacées déposées par l'action de l'eau. Cette formation rocheuse indique que la vallée a dû être complètement immergée à une certaine époque, une donnée essentielle si effectivement l'Arche de Noé s'est échouée à cet endroit. Malheureusement, Ron Wyatt n'a pas les permis nécessaires pour procéder à la prise d'échantillons de sol pour les analyses chimiques qui seraient indispensables à cette étape. Il doit se contenter des preuves suivantes, les dimensions et la forme du bateau de la structure ensevelie. Avant de retourner chez lui, Ron Wyatt continue sa quête en se liant d'amitié avec des Turcs de la région pour apprendre ce qu'ils savent du vaisseau légendaire. Le nom turc d'Ararat est Agridagi, ce qui veut dire « la montagne de la douleur ». Dans l'Antiquité, cette région était un royaume tampon entre des empires rivaux. Le vacarme des sabots des chevaux et des armes des guerriers glorieux y retentissait régulièrement. Les villageois connaissent chaque parcelle de la région. Ils prennent Ron Wyatt en affection et l'amènent à faire des découvertes remarquables. On le dirige vers quatre ancres de pierre massives d'environ 2,5 mètres de hauteur et pesant chacune plusieurs tonnes. Les ancres sont similaires et sont décorées de 8 croix. Selon les experts, elles représenteraient les 8 survivants du déluge. Les croix sont disposées de manière à représenter la relation de chaque individu avec Noé et des autres membres du groupe, respectivement.
Cette région est appelée la Vallée des Huit. Comme les autres stèles funéraires qu'on y retrouve, celle-ci est ornée de 8 croix. Ce sont de magnifiques représentations ornementées de la croix byzantine, qui date approximativement du 3e siècle après Jésus-Christ. La grande croix qui représente Noé est particulièrement ornée. Celle de sa femme a également un très beau motif. Ici, nous avons la paire de croix qui représente l'aîné des fils et sa femme. Elles sont ornementées également. Celle-ci représente un autre de ses fils et sa femme. Ici, nous avons la croix de son troisième fils. Mais il manque celle de sa femme, qui a dû s'abîmer au cours des ans. La position de ces pierres nous indique la direction du bateau quand il s'est échoué sur la montagne. L'une d'elles est à environ un demi-kilomètre de l'épave. Ces ancres de pierre sont des objets très familiers pour les premiers navigateurs. À l'époque des premières civilisations, on les utilisait couramment, en particulier chez les Phéniciens, lorsqu'ils naviguaient sur la Méditerranée. Le fond de cette mer en est jonché. Ce qui saute d'abord aux yeux, c'est la différence de taille. Ces ancres de pierre étaient très répandues sur les bateaux du bassin méditerranéen pendant des milliers d'années. Elles étaient attachées aux bateaux et utilisées comme lest. Le docteur William Shea, du Biblical Research Institute de Washington, possède un doctorat en archéologie. Il participe à l'analyse des données rapportées par Wyatt. Il s'intéresse à la fameuse structure en forme de bateau depuis la première expédition en 1960. En sa qualité de professeur d'études de l'Ancien Testament, le docteur Shea apporte un regard expérimenté et compétent sur les faits qui entourent l'Arche de Noé. Je n'ai jamais mesuré la distance exacte, mais quand on est à côté de la structure en question, on voit le mont Ararat au premier plan. C'est une magnifique montagne qui est très intéressante, mais il y a plusieurs inconvénients quand on la situe par rapport à l'histoire du déluge dans la Bible. Le mont Ararat est un volcan de plus de 4900 mètres. Un volcan n'est pas un endroit très approprié pour débarquer l'arche, et ce n'est pas non plus un endroit où l'on pourrait trouver des vestiges. J'ai quelques amis qui ont travaillé sur cette montagne, sur la face nord-ouest, où l'on retrouve la gorge d'Ahora. Le volcan a fait des dégâts dans cette région au cours des temps historiques, alors c'est sûrement le pire endroit pour espérer trouver des vestiges de l'arche. Par contre, le site dont nous parlons se trouve sur les montagnes de l'autre côté de la vallée. À cet endroit, ce ne sont pas des roches volcaniques, mais des roches sédimentaires déposées par l'eau. C'est une formation rocheuse qui résulte d'une inondation. Un autre inconvénient du mont Ararat est qu'il est recouvert de glaciers. Je ne connais pas les dimensions exactes des glaciers et je sais que la grosseur varie avec la température. Ils sont plus imposants en hiver qu'en été, bien entendu. Mais des centaines de mètres sont recouverts de glace qui gruge le flanc de la montagne. Si les vestiges de l'arche s'étaient retrouvés sur le mont Ararat, ils auraient subi les mêmes dommages que la pierre à cause des glaciers. La structure que nous avons étudiée a été mesurée d'après les photographies aériennes
et aussi sur le site même. Elle a une longueur de 150 mètres. Si on transforme cette mesure en coudée égyptienne, en prenant pour acquis que Moïse est l'auteur du récit du déluge, ou du moins celui qui l'a transmis, alors la structure mesure l'équivalent de 300 coudées. La correspondance est troublante. La structure ne mesure pas 150 ou 500 coudées, mais précisément 300. Si vous lisez le récit du déluge dans la Bible, vous allez voir qu'on dit de l'arche qu'elle mesure exactement 300 coudées. De plus, si nous additionnons les mesures de largeur telles qu'elles sont mentionnées dans la Bible, on arrive presque aux mêmes mesures que sur la structure en Turquie. L'arche avait 30 coudées de haut et 50 coudées de largeur, puis 30 coudées de hauteur. Si on additionne ces mesures pour avoir une idée de la longueur du contour de l'arche, nous arrivons au chiffre 110. Les mesures prises sur la structure du site nous donnent 45 mètres, ce qui équivaut à 100 coudées. Ce n'est pas le nombre exact de coudées, mais c'est très proche. J'ai vu trois des huit pierres. Il y en avait une dans un village et les deux autres étaient près de celui-ci. Nous pouvons comparer ces encres de pierre avec celles que nous avons. Nous en avons beaucoup car elles ont été utilisées jusqu'à l'apparition du fer environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Elles suivent toutes le même modèle. Elles sont longues et assez minces, puis elles ont un trou en haut. La différence majeure entre les pierres retrouvées en Turquie et celles retrouvées dans le bassin de la Méditerranée est la taille. Les pierres turques sont plus grandes qu'un homme. On peut conclure qu'elles ont été conçues pour un immense navire. Leur iconographie est un autre aspect de ces pierres qu'il faut étudier. Comme on peut le voir, elles ont été gravées. La grande croix au centre représentait Noé et la croix de taille moyenne à droite serait sa femme. Les trois croix au-dessus de la grande croix seraient ses fils et les croix de l'autre côté représenteraient les épouses des fils de Noé. Il y a huit croix et il y a huit personnes dans le récit du déluge. De plus, ces huit croix sont gravées dans des pierres qui ont la même forme que les encres de pierre. Ceux qui ont gravé ces croix sur les pierres ont voulu faire référence à l'arche de Noé et aux huit personnes qui se trouvaient à bord, selon le récit biblique. Ce qui est bizarre, c'est que ces encres de pierre ne sont pas près d'un cours d'eau. Selon moi, soit ces personnes ont voulu représenter des encres de pierre, soit ces pierres ont vraiment été utilisées comme encres dans cette région. Les cours d'eau les plus proches sont situés à 120 km au sud-ouest et à 160 km au nord. Il n'y a pas d'explication rationnelle pour justifier la présence d'encres de pierre dans cette région. Plusieurs scientifiques et archéologues de renom ont qualifié d'absurde les méthodes de Ron Wyatt. Ils prétendent qu'il est victime de sa propre rhétorique et que les faits qu'il avance, bien qu'ils soient vrais en partie, sont quand même suspects. On l'a accusé d'avoir placé des vestiges sur le site et d'avoir clamé leur authenticité par la suite. Un jour, la science fera éclater la vérité dans ce débat. Wyatt et Shea travaillent de concert et obtiennent des résultats satisfaisants. Ils sont convaincus que si on leur accorde les permis nécessaires pour faire une analyse géologique détaillée sous la surface, le monde assistera bientôt à une révélation historique. En plus des découvertes pleines de promesses faites par les membres de l'équipe de Wyatt, Mère Nature se met de la partie pour les aider dans leur quête. La déception de devoir attendre un long moment pour obtenir un permis a été compensée par le tremblement de terre de 1978 qui a déterré l'épave beaucoup mieux que nous l'aurions fait, même en travaillant pendant un an ou deux. «
Le séisme fait tomber un voile de terre. Il libère ainsi un des côtés de la structure du bateau et expose les membrures de la charpente. Près du mont Arara, à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, gît ce qui semble être la coque d'un immense navire construit par l'homme. Les caprices de la nature ont libéré la charpente de la coque dont la forme, tout comme la dimension, saute maintenant aux yeux. Le tremblement de terre a simplement fait descendre la terre qui recouvrait l'extérieur du bateau, ce qui nous permet de très bien voir les membrures et la structure de la coque. De plus, il y avait une fissure verticale qui m'a permis de mesurer la profondeur du bateau. J'ai pu ainsi me procurer de bons échantillons à analyser pour en savoir plus sur la composition chimique du bateau. Ces deux photos, prises avant et après le tremblement de terre, nous permettent d'apprécier le travail opportun de la nature. À gauche, c'est une photographie prise en 1960 lors de l'expédition turco-américaine. À droite, c'est un cliché pris en 1979 par l'équipe Wyatt Shay, peu de temps après le tremblement de terre. Ces photos montrent clairement la quantité de terre qui a été déplacée sur le côté de l'épave. Le tremblement de terre a fissuré la structure, ce qui a permis à l'équipe de prendre du sol des échantillons frais pour les analyser. Des échantillons sont aussi prélevés autour pour vérifier s'il y a des différences significatives entre les composés chimiques. On les expédie sur le champ aux États-Unis. Les résultats sont étonnants. Une forte teneur en carbone à l'intérieur des échantillons prélevés à l'endroit où la charpente du bateau est exposée suggère la présence de bois pourri. On décèle aussi des traces de métal qui pourraient possiblement être les restes de supports métalliques. Ce sont les premiers indices concrets qui démontrent que cette structure n'est pas un phénomène naturel, mais une construction humaine. Des échantillons de sol ont été prélevés en 1979 et en 1984. C'est dans les échantillons de 79 que nous avons eu les premiers indices d'une présence accrue de carbone dans les échantillons pris sur la formation par rapport à ceux du terrain environnant. Voici ces rapports. S'il y a du bois, une indication comme celle-ci, 5% en serait la preuve. On retrouve ce genre de proportion quand il y a du bois pourri. Dès que nous avons su qu'il y avait des concentrations de métal dans les vestiges de ce qui semblait être la structure du bateau, l'étape suivante était de fouiller le terrain à l'aide de détecteurs de métal. Nous avons mis sur pied une expédition avec les permis nécessaires pour utiliser 4 détecteurs de métal différents. Nous avons soigneusement délimité le bateau à l'aide de rubans d'arpentage posés sur le dessus des vestiges afin de bien voir la position des pièces de métal par rapport à la structure. Cinq spécialistes, dont le Dr. John Baumgartner, un physicien du Laboratoire national de Los Alamos, accompagnent Ron Wyatt dans cette expédition. À l'aide de divers instruments pour détecter le métal, ils recueillent les preuves de l'existence d'une immense structure régulière et symétrique sous la surface. On pourrait appeler la période entre les mois d'août 1984 et août 1985 l'année du détecteur de métal. Le site en entier y a été soumis. Bien sûr, on a relevé la présence de métal, mais en plus, on s'est aperçu que ce métal avait une configuration régulière. Les 3 types d'appareils sont arrivés au même résultat. Le métal était disposé en bandes et il l'était aussi perpendiculairement. Ce sont les détecteurs de métal qui ont fait émerger cette structure. Tous les instruments utilisés détectent la même structure régulière. De plus, aucun résultat positif n'a été enregistré autour de la structure du bateau.
Quand il y a fossilisation du bois, le processus de pétrification se produit quand des minéraux se déposent dans le bois. S'il y a du bois fossilisé, on peut s'attendre à ce que les minéraux qu'il contient soient ainsi détectés. Donc, la forme de la charpente qui ressort avec ces indications pourrait être le résultat du processus de pétrification du bois. Quand nous avons passé le site au détecteur de métal, nous avons aussi couvert le côté du bateau qui a été mis au jour par le tremblement de terre. À cet endroit, la structure de la quille et de la carlingue se distingue clairement. Les détecteurs nous ont permis aussi de prendre des échantillons à des endroits où nous avions remarqué des concentrations élevées de fer. Par exemple, un des échantillons était composé de fer à 91%, et l'analyse au microscope a révélé des gradients préférentiels, ce qui veut dire en clair que ce fer a été transformé par l'homme. Les preuves sont impressionnantes. Mais sans l'excavation du site, un processus coûteux et très long, les membres de l'expédition doutent de pouvoir convaincre le monde de l'existence d'un navire enseveli. Les tests scientifiques sont essentiels pour dater les vestiges et pour prouver que la structure est bien celle d'un bateau. Cependant, amener des experts dans l'est de la Turquie n'est pas une sinécure, car cette région est au cœur de conflits nationaux et ethniques. Bien qu'il n'ait jamais su pourquoi, Ron et son équipe ont même été la cible d'un enlèvement. Cette aventure aurait pu être fatale. Malgré les menaces qui pèsent sur eux, les scientifiques et les chercheurs qui avaient accepté de participer à l'expédition choisissent de se rendre sur le site. Le radar géologique émet des salves d'énergie électrique de courte longueur d'onde. Ces impulsions électromagnétiques pénètrent le sol. Quand elles rebondissent, l'écho est mesuré par un récepteur. Ces mesures sont enregistrées sous forme graphique sur un rouleau de papier continu, exactement comme le relevé d'un électrocardiogramme. Par ce procédé, les objets enfouis dans le sol peuvent être repérés et mesurés approximativement. Nous sommes retournés en Amérique pour trouver l'argent afin de pouvoir apporter un radar géologique en Turquie orientale. Nous avons demandé des permis pour faire des fouilles et pour excaver le site. Mais le gouvernement turc devait prendre en considération la manière dont ce serait perçu par les nations voisines, parce qu'il ne voulait pas risquer de déclencher un conflit aux frontières. À l'été de 1986, l'expédition Wyatt reprend la route. Ils reçoivent les permis nécessaires du gouvernement turc pour pouvoir passer le site au radar. Tout est en place pour confirmer scientifiquement la présence de l'épave. Puis, l'improbable survient et ils sont arrêtés net dans leur élan. On avait eu vent de menaces d'enlèvement et d'attaques contre nous par des groupes terroristes. Pour nous protéger, le gouvernement turc nous a fourni un commando de 30 hommes qui nous accompagnait chaque jour jusqu'au site. Ils se cachaient dans les crevasses et les canyons autour. Ce qui est arrivé n'a duré que quelques secondes, mais cela m'a semblé interminable. Les commandos turcs ont littéralement surgi du sol où ils se cachaient et ont abattu les terroristes avec des armes automatiques. Le bruit assourdissant des armes ébranle les murs de la montagne du Jugement dernier, témoin de conflits incessants depuis des siècles. Les commandos turcs ne font pas de quartier et réduisent l'ennemi au silence pour l'éternité.
L'expédition Wyatt fait la une des journaux turcs, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'archéologie. Cela a mis un frein à notre initiative de passer le site au radar pour un certain temps. Les techniciens, le personnel de soutien et tout l'équipement qu'a nécessité cette mission ont coûté très cher, ce qui rend ce revers encore plus frustrant. Ron Wyatt doit faire preuve de patience à nouveau, ne sachant pas si c'est le destin ou une force plus obscure qui lui met des bâtons dans les roues. Ron sait qu'il y a des compétiteurs qui veulent le devancer et plusieurs personnes ont des raisons religieuses ou politiques pour l'empêcher d'aller au bout de sa quête. Malgré tout, il reçoit les permis du gouvernement pour évaluer le site à l'aide du radar géologique. Les résultats sont stupéfiants. Le radar montre des carlingues, des poutres de pont, des cavités et d'autres structures nautiques dessinant petit à petit ce que les spécialistes croient être les vestiges d'un énorme navire construit par des hommes à une lointaine époque. En fait, le radar a montré les mêmes structures que les détecteurs de métal, mais avec plus de détails. Il a montré une série de lignes parallèles et des lignes transversales distribuées également dans chacune des directions. C'est précisément ce à quoi on s'attend quand on cherche les vestiges d'une structure qui a la forme d'un bateau. Il y a la quille, des lignes parallèles, des carlingues, des lignes transversales et des cloisons pour renforcer le bateau. Après le tremblement de terre, nous avons pu mesurer la profondeur des vestiges du bateau tout le long du flanc. L'endroit où les dépôts sont plus épais est le pont supérieur. Nous avons pu déterminer que c'était un bateau à trois ponts. Au cours des expéditions de 1985, 86 et 87, nous avons accumulé assez de données et de mesures pour avoir une bonne idée de l'aspect général du bateau. Nous avons reproduit un modèle à l'échelle qui est très près de l'original. Voici à quoi ressemble l'Arche de Noé. La forme du pont est très évidente sur les relevés du radar. Nous avons reproduit cela sur la maquette également. Le bateau a une structure interne et externe unique. À cette extrémité, on retrouve les pièces qui renforcent la coque et lui donnent la force d'affronter les tempêtes. À cet endroit, on peut voir plusieurs petites cabines où on avait sans doute placé les animaux. Près de la proue, il y a un système de rampe pour permettre aux gens et aux animaux d'aller d'un étage à l'autre. On a accès à la rampe à partir de la porte qui est ici. Nous avons fait tout ce que nous pouvons en termes de recherche de surface et de scanner. Il existe d'autres types de détecteurs, mais je ne crois pas qu'ils nous fourniraient d'autres données. À ce stade-ci, il faut une excavation. Jusqu'à maintenant, je dirais que toutes les données recueillies sont positives et tendent à prouver que nous sommes en présence des vestiges de l'Arche de Noé. Mais la preuve ultime ne peut venir que de l'excavation. Nous sommes ravis des résultats. Personnellement, je peux regarder n'importe qui dans les yeux et affirmer que la forme de bateau que j'ai étudié en Turquie est vraiment l'épave de l'Arche de Noé. Cela fait partie de la nature humaine de vouloir connaître ses origines. Plusieurs ont tenté de justifier leurs croyances religieuses en essayant de prouver noir sur blanc l'existence de Dieu. Les indices recueillis sur les montagnes de Turquie démontrent l'existence de bateaux ensevelis. Mais rien ne prouve qu'il s'agit de l'Arche fabuleuse.
Rien ne prouve non plus que ce bateau n'ait pas été construit par Noé. Il y a trois raisons qui justifient la recherche de l'arche de Noé. La première, c'est que dans l'histoire de la race humaine, telle que racontée dans la Bible, le déluge est un événement de transition qui sépare l'histoire biblique en deux. Donc, dans l'histoire de notre race, c'est un moment important. Deuxièmement, il y aurait des conséquences d'une grande portée sur la science et sur l'histoire. De nombreuses théories scientifiques devraient être révisées si nous apportions la preuve de l'existence d'un bateau de l'époque du déluge à 2000 mètres au cœur des montagnes de la Turquie orientale. Troisièmement, on peut en tirer une leçon religieuse. Il y a une théologie dans les trois chapitres de la Genèse qui cite le déluge, car on peut y voir les deux faces de la personnalité de Dieu. D'abord, il révèle sa sévérité en jugeant la civilisation antédiluvienne, puis il apparaît en rédempteur quand il montre sa bienveillance et sa clémence en sauvant Noé et sa famille. À chaque époque, on rencontre des individus qui se dédient corps et âme à la recherche de nouvelles connaissances et de la vérité. Ils doivent faire face aux obstacles de la nature et surtout à ceux placés sur leur chemin par des hommes qui s'opposent à leur quête. Ces obstacles prennent souvent la forme de duperies, d'informations trompeuses et de ruses politiques de la part de gouvernements ou de puissants chefs religieux. Ron Wyatt et les membres de son expédition ont surmonté toutes les difficultés qui se sont placées sur leur route pour donner au monde entier ce qu'on croyait perdu à jamais. Plusieurs affirment qu'ils ont découvert où repose le navire légendaire qui a sauvé la race humaine lors du déluge. L'arche de Noé elle-même. Dans sa quête pour retrouver l'Arche de Noé, Ron Wyatt a découvert une immense structure en forme de bateau, à une hauteur de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. On peut se demander pourquoi il faudra attendre encore des années avant d'avoir des réponses satisfaisantes et pourquoi il a fallu tant de temps pour que nous soyons au courant de ces événements. Un autre mystère se cache peut-être derrière tout ça. Heureusement, nous avons retrouvé les archives oubliées. Thank you.